L'événement était prévisible, mais il n'en reste pas moins violent. Ce que les météorologues appellent une bombe cyclonique s'est abattu sur la Californie ce mercredi et jeudi, faisant au moins 2 morts, dont un enfant en bas âge qui se trouvait dans un mobilhome, écrasé par un arbre. Le centre et le nord de l'État américain ont été frappés par une tempête générant des rafales jusqu'à 160 km/h et des pluies torrentielles, privant aussi plus de 180 000 foyers d'électricité. Le pays se relevait tout juste d'une série de violentes dépressions survenues fin décembre.